Oui, non, c'est bon. C'est bon. Non, via des scripts dark. Mais c'est pas un jeu comme Arma. Hein. Si c'est à ça que tu penses. Ok, numéro 1, décollage. Je passe devant. Oui, on est parti. Allez, gazelle. Ok, je break à gauche. Oh, j'ai entendu un boom là. Ah, mais là aussi avant, mais apparemment c'est rien. Tu vas en dire, t'es là? Ouais. Je suis là. Alors, le camp. Ouais, on est pas trop mal. Ah, je descends au ras de l'eau. On ralentit un peu, Olivier, on est pas mal loin derrière. Ok. Alors, par contre, tu vois Dark avec ses hélicos-là, donc le jouet et le MI-8, l'hélicoptère russe, on peut faire du transport sous zélingue et on peut transporter tout et n'importe quoi. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, Olivier. On est là, ouais. Ok. Mais il y en a un qui perd le contact du vieux dans le brouillard, il va dire tout de suite. T'as juste changé le type de gazelle en fait tout à l'heure, c'est ça. Vital. C'est ça. Je suis passé de la gazelle minigun à la gazelle. Et c'est super beau, moi ça fait que 2 ans que je suis sur des CS. Peterson, connais pas. Connais pas. Bah, pas de lien ici parce que sinon tu vas te faire ban par le bot. Prends une vidéo n'importe laquelle de DCS, tu mets le lien de sa chaîne si tu veux bien dans le en commentaire. Explosif, ouais. Ouais, bah, moi aussi avec la 10A. Ouais, le K50, non, je l'ai pas cette bestiole. Peter, c'est toi juste derrière Olivier? Ouais. Je suis dans tes 7. Donc, pour ceux qui savent pas à quoi ressemble un jouet, merci Romain, merci. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un jouet, c'est ça. Hop. Ah, c'est un hélico que vous avez vu pendant la guerre du Vietnam. Bon, pas avec moi comme pilote parce que j'étais pas né. Et puis parce que je suis pas américain non plus. Ok, on arrive en vue des terres. Là. C'est ça, Zankiel? Ouais, léger à gauche. Non, on est pas mal là. Ah ouais, t'as la merde. Bonjour à DCS, c'est marqué dans le titre, il me semble. Oui, c'est ça, DCS, Digital Combat Simulator. C'est une simulation d'avion, d'hélicoptère, très poussée. Et on commence à freiner. Attention à la lisière des arbres. On voit quel convoi vient de partir. Route en visuel sur ma. Sur mes 1 heure là.
Allez, commencez à dire à vos gars qu'ils ont le Free Fire. C'est fait. Convoi en visuel là. J'arrive sur le véhicule de queue. Je freine. Sur la droite de la route. Sur la gauche. Et hey, bonne fête. Ouais, merci. Le passage rapide, parce qu'au boulot je peux pas tout faire en même temps, mais entre deux téléphones, deux urgences, je regarde tout ce stream. C'est sympa, Jean-Bas, c'est sympa. On verra peut-être demain, on verra. Mais là je fais la nuit au boulot. Ça marche. Allez, amusez-vous bien. Merci. Allez, Jean-Bas. Oui, salut. Bon courage. Ouais, Zarma, celui avec qui, entre autres, je vole sur la V8B, où je vole avec Vital, là, qui est à ma droite, avec Pingu, et donc avec également Lord. Je crois que je l'ai vu passer sur le stream, Lord. Et donc Zarma. Donc on a toujours des blindés, hein, comme tout à l'heure. Sauf que là, on va pas aller les traiter parce que normalement c'est les ZADIS qui doivent les traiter. Et comme là, nos deux ZADIS, enfin nos deux pilotes ZADIS ont été appelés au départ, eh bien ils peuvent pas venir. Donc du coup, on va laisser les BTR où ils sont. Vous voyez là le camion là? Ah, c'est le camion là qui transporte mon gâteau là. Dans la pièce montée. Ouais. C'est celui-là que je dois pas shooter moi, c'est ça. Alors, j'aurais dû lui mettre, tu sais, une croix ouais. Une croix rouge, c'est rouge, voilà. Rouge, oui. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Ouais. Bah, pas longtemps alors, hein. Qui c'est qui ferme la marche derrière? C'est moi. On a un groupe de véhicules qui arrivent dans les 9h. Vital et Zankiel. Ouais. Vous voyez, on a une route. On va avoir une route sur la gauche. Ouais. Eh ben, vous allez intercepter. Il doit y avoir des véhicules par là-bas. Vous les interceptez, s'il vous plaît. Véhicule sur la route là. Merde, mais les gunners ils tirent dessus. Ah ouais, ok, visuel. Je passe derrière, j'en fais un tour. Ouais. Ok, le convoi continue. Ouais, les gunners aussi. Les gunners aussi. Tout le monde tire. Tout le monde tire. Coupez vos gunners pour vous. Gardez les munitions pour au plus tard. J'espère que c'est dans le champ à vitesse. Ouais, j'ai intercepté les deux derniers.
ouais, fois que c'est bon, vous dégagez. Vous êtes dessus ? Je crois bien, ouais. Ils étaient trois, non ? J'en vois un sur la route, ouais. Et deux carcasses dans les champs. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, vous rejoignez la formation. Il est où notre camion là ? Il est derrière les deux, puis je crois. Oui, il est juste en dessous de toi, le camion. Ouais, c'est pour ça que je le vois pas. T'inquiète pas, ton gâteau, il est en dessous de toi. Ouais, non, attends. Non, j'ai pas les commentaires pendant mon live parce que comment j'avais testé et en fait c'est pas super génial quand tu veux profiter de la vidéo à fond. Alors oui, effectivement, ça t'oblige à voir la page YouTube pas en plein écran. Mais pour certains qui veulent pas commenter mais qui veulent juste regarder, c'était gênant pour eux. Donc voilà, j'ai préféré l'enlever. Parce que sinon ça spoil le reste. Ça tourne à gauche. Okay. Alors restez derrière l'arrière les gars. Vous aventurez pas trop en avant du convoi. Faut vraiment que toute notre puissance de frappe soit sur le convoi en fait, hein, au cas où il se fait engager. C'est des missions où genre tu rates, tu retournes à ta base. En fait, si on rate, c'est qu'on est mort. Mais comme on a plus, entre guillemets, plusieurs vies, c'est-à-dire que c'est pas non plus du missim comme certains pourraient le faire, on reprend un hélico et on revient sur la zone 1. D'accord, devant toi, mais non, quel... C'est mon gunner qui tire en antenneur, mais il engage pas les véhicules. C'est moi, je me fais engager aussi, donc ça répond. Enfin, si je plonge, je vais... Ouais, a priori, ouais, ça engage dans nos 3 heures. Ouais, ça tire. Je vais les chercher. Ouais, visuel. Allez, vont s'arrêter là. Vue sur les cibles, armement sur run. On tire, on prend une distance entre chaque hélicoptère. D'accord. Et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, on les engage.
Gardez bien visuel sur sur chaque hélico devant vous, les gars. Oh là 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 là. C'est le bordel. Les gars. Si vous regardez pas un visuel sur l'hélico qui est devant vous. Oh putain, il y en a encore un peu plus loin là-bas, on retrait. Ouais, ouais. Apparemment, ouais. Vous dispersez pas. Allez par groupe de deux. Allez par groupe de deux, les gars. Je suis un peu plus seul devant. Je suis avec toi, Vito. Ok. Bon. Ok, a priori. Bordel, mes gars. A priori, le premier, c'est bon. Tout comme aussi, il fait un bordel. Les autres UV, je vais me refouler dans la ronde. Allez, je me recale derrière. Deux qui rejoignent le. Deux qui restent avec moi en rotation autour de la zone et deux qui retournent sur les UV, sur les UMV. Restez pas en statique, les gars. Restez pas en statique. S'il y a du manpad, on va se faire défoncer. Qui c'est qui retourne sur le. Vital et Zankiel, vous retournez sur les. Sur les UA. Sur les. Les MV. Ouais, ils repartent, les MV. Allez. Tout le monde s'en met en formation autour des MV. Bien pris. Je suis en train de les chercher là, ils doivent être dans le secteur. Mais de toute façon, faut les attendre au niveau de la route là. Ouais, c'est bon, je les vois. Ils sont en train de repartir sur la route là où on a fait feu sur le premier groupe. Ok, on va recoller sur toi. Ouais. Ah, je vais passer devant le bâtiment en flamme. Ouais. Je lève un peu le pied. De toute façon, je les attends. Hein. Tu me dis quand ils arrivent à mon niveau, si tu peux me le dire. Ils sont à côté du bâtiment. Je les sens encore. Ils sont en train de passer ouais, au niveau du bâtiment. Ils sont à ton niveau. J'ai visu que sur deux MV et le camion. Ok, je suis arrivé. Ah non, ça arrive derrière. Les deux arrivent. Non, moi, c'est pas trop. On sait pas. Ah non, le reste non. Parce que là c'est un peu tendu, on s'est fait engager sur deux avant-postes. Je vais passer en quête. Alors, si on se refait engager à la file indienne, d'accord, ça sert à rien de tous partir comme des tabanés sur le truc. Le camion le saut kiffé quoi. Ah ouais d'accord. Gazelle. Ouais, la gazelle devait être chaud. Je te dis, il dérape là. C'est pas bien. Mais toi, limite, tu peux peut-être tourner autour de nous, c'était plus important. Ouais, je. Oh, ça doit. On va essayer de faire comme ça quand même. Non, le. Non, c'est le l'entraînement à la tête, justement. C'est clair. Ah, mais c'est pas toujours la guerre-guerre, hein. Méfiez-vous sous les ponts.
derrière avant, je sais pas, hein, ce qu'il a volé. Sinon je trouverai rien. Yes. Allez. Ah vous voyez, hein, l'émission c'est pas toujours on tire partout. Hein. Faut aussi piloter un petit peu. Ça tourne à droite. C'est bon le pays. Attention, j'y vais, hein. Je passe. Vas-y. Et je suis juste au-dessus du camion. Okay, moi je suis à l'arrière avec Vital, je crois. Ouais, c'est moi qui suis derrière aussi. Tu suis derrière moi. Excusez-moi si je réponds pas à vos messages, mais là je suis un petit peu plus concentré sur mon pilotage d'hélico. Disons que j'ai un peu d'obstacles autour. Hein. Les arbres, les autres hélicos. Ouais, ça aussi. Ça va, comment dire, ça... Ça suit. Pas trop d'obstacles. Je les ai évités pour l'instant. Mais là, pour le coup, c'est un bon entraînement de pilote. Ouais, ouais. C'est pas bien simple, ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à garder le test lent et l'intérêt stable. J'arrive pas de tout faire. Sans qu'il parle dans le vortex, là. Ennemi ou je sais pas, bah, je sais pas non plus moi. Ah, tire. Ah, ça tire, ça fait feu, ça fait feu. Ok, a priori cible à droite, cible en face et cible à gauche. À gauche. Il faut se dépêcher parce que le convoi est prendre un rayon. Ouais.
Et embuscade les gars, embuscade. Taillot les gars, taillot. Allez. En cercle. Oh putain. Allez, vous allez jusqu'au bout du... jusqu'au bout de là où ça fait feu là. Salut, salut. Oh le bordel. Allez. C'était quoi ça? C'était des roquettes. Ouais, c'était mes roquettes. J'ai aussi sorti le viseur, mais j'ai pas aussi. Alors, ça m'arrête un peu là-dedans, tiens. Je vais faire un tour dans les bois là pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah, ça tire pas. Ouais, je suis au cul du convoi. A priori, ça s'est fait engager au cul du convoi. Ça s'est engagé au cul? Ah, ça s'est fait engager au cul du convoi. Ok. Je suis juste devant lui, ça me paraît. Ça dit quoi devant là-bas? Là où je suis, c'est bon. Puis il y a d'avoir grand chose devant. Devant les gâtes pour l'instant. Ok, ils repartent. Allez, je les attends ici en restant. Allez, je reste à l'arrière. Dès que le convoi passe à votre niveau, et ben vous recollez au convoi. Bon, ça défouraille encore devant. Hein. Et comment ça explose? Caché à ta gauche, Olivier. Caché à droite. Je suis à la droite de l'avant. Ok, ça marche. Donc voilà tout ce qu'on a éclaté. Allez, je me mets à gauche du convoi. C'est le jouet. Ok, je suis devant le convoi. Je suis tout derrière, dans les 6. Allez, c'est bon. Le gâteau est sauvé. Est-ce que quelqu'un a pensé aux bougies? Même pas, je suis sûr. J'ai des roquettes pour faire enfiler des bougies s'il faut. Est-ce qu'on aura 44, je sais pas. Là j'en ai. Allez. Ça me 14. Tirer, moi, mes roquettes d'ailleurs. J'en ai pas tiré. Bien messieurs, il nous reste plus qu'à rentrer au bateau. Allez. Ça promet. Allez, à la queue leu. J'ai tout. En bordure de mer, là, je suis avec eux. Il y a 3 UI là. Oh là là là. C'est qui au sol? C'est tout l'état. Voilà, on a réussi notre mission. Voilà, vous avez vu, il n'y avait pas énorme ennemi. Calme-toi là. On n'avait pas énorme d'ennemis. N'empêche, il y avait quand même pas mal de monde. Parce que vous avez vu que ça a pété dans tous les sens. Et que ça aurait été, à mon avis, plus fandard avec la gazelle minigun. Ouais. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, ça a été bug sur bug sur bug sur bug sur bug. J'ai deux UA devant moi, un tout bas et un tout haut. Ouais, tout haut, ça doit être moi. Attends, je plonge. Ah, il y a un peu plus sur ma niveau, sur ma gauche, sur ma droite. Je vais recoller sur. Je recolle sur son lien. Oui, j'ai déjà. Oui, c'est là, les bateaux. Alors, c'est pas le bon bateau. Non, c'est pas le bon bateau, ça. C'est un bateau de croisière, ça. C'est les touristes. Il y a un beau spectacle. J'aimerais bien voir une bière, là, alors.
c'est vrai. Je crois qu'il y a une piscine en plus. Ah ouais. T'imagines le spectacle que t'as vu de là-bas? On est derrière toi, Zank, hein. Ouais, justement, je... Écartez-vous. Je suis pas un as. J'attendrai que tu sois posé avant de me poser, t'inquiète. J'ai pas trop de confiance, surtout que t'es juste au-dessus de... Ouais, je te laisse passer un peu. Oh, c'est bon. C'est reparti. Super. Oh, bon. Ça y est, alors... c'est bon, t'es reparti. Ok, ça marche. Alors, il est où ce troquet? Je crois qu'il est par là. Voilà, le v'là. Carreau dessus, visuel. Alors là. Donc il faut se poser là. Il faut se poser là pour prendre les packs de bière. Non, mais vous me suivez là. Il faut se poser là pour recharger les packs de bière pour pouvoir les emmener au bateau. Ah. Sur le toit là? Ouais. Ah merde. Change de bateau. Alors, je vais charger les packs de bière en premier. Il faut y charger un arbre, moi, surtout. Voilà. Allez, je redécolle, j'ai chargé les packs de bière. On est reparti, suivant. Ouais, qui est bien passé, là, vas-y. Allez, j'y vais. Voilà. Il y a la gazelle et le Huawei qui vont en même temps. Non, hey, non. J'allais quand même pas vous laisser finir sur un truc. Hey, il y a d'autres toits, les gars. Ok. Non. Attention. Oh. Ouais, je vais essayer le hangar. Allez, une fois que tout le monde a fait un posé, on dégage. Et on va se poser ici. Allez, on challenge, la grue. Allez. Ouais. Allez. Allez, une fois que vous avez posé votre. Enfin, que vous avez posé votre appareil sur le toit, récupéré le pack de bière, on se rassemble au milieu de la pelouse. Et d'ailleurs, t'as vu la grue, elle est dans le gymnase. Logique. Et on fait la photo finish. Dans la pelouse. Okay. Allez, leader posé. Je suis désolé, le toit, je vais pas pouvoir le tenter. Alors, je vais couper votre son. Voilà. Allez, je tente. Voilà. Eh ben, écoutez. On va finir là. Enfin, oui, je pense que pour certains, ça va se finir là, oui. Hop là. Non, c'est lui qui était. Celui qui était derrière toi. Ah. On va finir là-dessus la mission. Vous voyez, c'était pas excessivement dur, mais ça permet de travailler un peu son pilotage à basse vitesse, en équipe, et puis de défourailler un petit peu tout ce qui passe. C'était le principal sur la mission. La prochaine vidéo que vous verrez, ça sera normalement la vidéo qui sera de la mission des Flank Skull. Donc il y a 20 appareils où justement je vais voler avec Pingu, Zarma que vous avez vu, et puis Lord, et puis voilà, également le groupe arrière qu'il y a sur Facebook, pour ceux qui auraient le arrière et puis qui auraient envie de voler. Alors attention, ce n'est pas une escadrille, c'est juste un rassemblement de gars qui ont le arrière et puis qui partagent leur connaissance de cet avion par rapport à ce qu'ils connaissent de son utilisation et de tout ce qu'il a à l'intérieur, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je voudrais remercier donc Vital, je voudrais remercier également Zankiel, remercier Nid,
remercier Zwandir et remercier Viridis qui regarde le stream et en même temps qui est là et qui nous faisait un petit coucou. Voilà, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien les amis et encore merci à tous d'être venus et surtout d'être restés après tous nos petits aléas. Allez, bye, salut, salut. Bon, moi je suis sur toi, mais je vais rester là, je suis bien. Je vais me poser sans un coup. Moi je t'ai vu, ce mardi en tout cas. Attends. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est toi sans me dire sur la Qui d'autre? Oui, bah y'a que ouais, les autres ils sont posés là-bas tranquille dans le champ. C'est bien, à la fin je me suis posé, j'avais tout le monde dans le champ, tous les Yue, et dans le fond tu vois Swandir qui part en couille dans le coup. C'est là que j'ai fait F2, je suis allé voir. Ah ouais, d'accord, je l'avais pas vu. Ouais, il est là-bas au, il est là-bas au bout là. Ouais, il me cherche. Par contre, ce que j'aime au moins, c'est la grue qui est derrière. Et dans le, gymnase, c'est sympa. Ouais, le socle. Ouais, moi j'ai pas réussi à tirer, mais putain de requête, je sais pas ce que j'ai. Bah, c'est-à-dire que tu sais que moi non plus, quand j'ai voulu tirer, c'est... Bon, bah moi j'avais oublié de mettre le mode roquette normal. Là, ça marche. Attends, je vais essayer sur toi, sans dire. Je m'en veux pas. Ça, c'est allumé. Ça, c'est allumé. Alors, pourquoi tu tires moi, je vois des trucs qui...